Le dimanche 25 mai 2014, moment spécial vécu à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements, dirigé par le club pastoral Samuel et Sylviane Manté. Ce rendez-vous dominical a été un véritable moment de communion avec le Saint-Esprit à l'occasion de la fête des mères. Et les fidèles de l'église évangélique La Bénédiction ont su honorer les mamans à travers ce culte spécial. Ce moment de réjouissance a débuté par la louange et l'adoration avant de laisser place à la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Le pasteur Sylviane Manté, comme une bonne mère, a donné les oracles du Seigneur à travers un message sur le véritable guide. En somme, selon la servante de Dieu, notre succès repose en premier sur la responsabilité de notre guide. Le succès d'une vie repose sur la qualité du guide, mais la responsabilité aussi du succès de la vie repose en premier lieu sur le guide. Cette belle fête a été particulièrement marquée par le don de 500 000 francs CFA offert par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, aux femmes de l'église évangélique La Bénédiction. Un geste qui n'a pas laissé les mamans de la dite église indifférentes. Nous vous remercions pour votre présence massive. Merci d'avoir participé vraiment à cette fête. Ça a été une réussite devant le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne peut pas finir cette fête sans faire de cadeaux. Alors, c'est le moment de la remise des cadeaux. Je vais appeler ici Maman Koulibaly, qui va venir avec moi ici. Tu viens, Maman Koulibaly. Voilà. La secrétaire, s'il te plaît. Voilà. C'est la fête des mères. Alors, on va s'approcher tout de suite de Maman pour nous remettre son cadeau. Maman, nous t'aimons beaucoup. On ne peut pas partir d'ici sans marquer ce passage par un cadeau. Un cadeau. C'est ce petit présent que nous avons apporté en ce jour béni. Amen. Cet événement, haut en couleur, a été marqué par des prestations de chantres, ballets et particulièrement par la présence d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu. Nous sommes venus vous saluer et pour vous remettre ce humble cadeau. Et pour dire merci. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le prophète Esaïe était appelé prophète messianique. Pourquoi? Parce que parmi tous les prophètes, c'est lui qui annonçait la venue du Christ avec précision. Dis Amen. Amen. Ce passage de l'Ancien Testament se répète dans le Nouveau. Dans Jean 16, 5 à 7, où Jésus disait, je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur. Et cette promesse est accomplie dans Actes 2, où à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Amen. La Bible dit, comme un homme que sa mère console. Je vois bien que la Bible ne dit pas comme un enfant, mais comme un homme. Ce qui veut dire que depuis le bas âge qu'à la vieillesse, l'homme est toujours consolé par sa mère. Elle est dans le zouglou. C'est un zouglou sanctifié. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour papa, sa mort? Libéré, libéré, libéré. Jésus, c'est à moi, 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 Jésus, c
ben tu es chaud. Tu es chaud. Tu diras ben tu es chaud. Tu es chaud. Tu as fatigué ma famille. Tu es chaud. Tu as fatigué mon papa. Tu es chaud. Tu es chaud. Ce culte spécial a pris fin dans un moment de bénédiction et de fraternité. Ce sont des fidèles très bénis qui sont retournés chez eux. Que Dieu vous bénisse.